Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens de champ, je suis allée récupérer... Attendez, fais pas la mise au point sur ma tronche. Voilà, je suis allée récupérer des colis Vizintide parce qu'en fait j'ai trouvé des jeux Gecko pour ma puce. Alors, attendez, je vais ouvrir ma chienne qui vient d'enclencher le mode. Je veux sortir. Voilà. Donc je disais, j'ai récupéré des jeux Vizintide. Je vais vous les montrer. Des commandes Vizintide sur lesquelles j'avais commandé des jeux Gecko. Voilà, je vais y arriver à faire ma phrase. Et voilà. En gros, je vais vous les montrer. Et j'ai reçu aussi la housse de couette de Chris. Je vous montre ça. J'ai craqué pour celle-ci. Alors à la base, je la voulais pas en bleu parce que c'est pas dans les coloris de la chambre de Chris du tout. Je la voulais. En fait, il existe la même avec les personnages, mais blanc. Et ce qu'il fait, c'est que c'est plus discret, quoi. Et sauf que elle coûtait deux fois plus cher. Et il y avait plus de temps de livraison. Donc bah voilà. Et comme c'est écrit, c'est un lit encore en 140. Bah voilà, c'est assez dur de trouver des housses de couette à cette taille là. Donc c'est très compliqué. Et j'avais envie de lui faire plaisir à mon bébé. Mais bon, je pense que je vais la surveiller l'autre. Et je la craquerai, pour elle plus tard. Voilà, je vous montre les colis Vizintide. Alors, dedans, il y avait donc, donc ça c'est une commande, une et une. Voilà, donc hop, ça va aller pour le Christmas de Catel. Donc, mini match, Bata Flash, Oudor Dodo, ça, Oudor Dodo, et les sardines. Alors, c'est les deux là, ils sont neufs. Et regardez, ils sont encore emballés. Donc ça c'est trop bien, j'ai fait une super affaire. J'en ai eu pour 13 euros, je crois, les deux là avec les frais de port, donc parfait. Et voilà. Donc ça c'est cool. Catel va être bien contente. Je me tâte à en garder un de sortie. Est-ce que je résiste ou pas? Je me tâte à en garder un de sortie pour le faire avec elle. Là, parce qu'elle a, c'est vraiment des jeux comme ça, on les kiffe. Je vais réfléchir sur la journée et je verrai. Et dedans, avec cela, il y avait ça. Regardez comme c'est chou. La plus chouette des mamans. Le facteur vient de passer. Alors, j'ai reçu deux choses. Alors ça va être avec Ivancy, donc c'est un site d'influenceurs où en fait on peut avoir des objets contre des photos Insta par exemple ou sur Snapchat ou autre. Et en fait ils avaient proposé ça, les cubes sonores de la ferme, donc ça j'avais pris ça pour Christian. Donc je vais pas les ouvrir tout de suite parce qu'on va partir dans pas longtemps, quoique il est quelle heure. Bon, je vais regarder ce qu'il a l'air intéressé, monsieur. Oui, attends. Donc, et la deuxième chose, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez ce personnage. Alors moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps à la télé. Et en fait, ils m'avaient contacté pour découvrir leur BD. Parce qu'en fait, le petit poilu, donc il s'appelle le petit poilu, c'est des BD pour les plus jeunes. Parce que ce sont des BD où il n'y a pas... Attendez, parce que dedans, il y avait aussi un Spirou. Ce sont des BD où il n'y a pas de texte. Donc là, j'en ai trois. Donc, et en plus, là, c'est tout doux, il y a une texture. Donc, et en fait, je n'ai pas de texte. Regardez. Donc, c'est à lire avec l'enfant et on parle, voilà, on va donner décrire les images. Et je trouve l'idée géniale. Donc, j'en ai trois. Je pense que je vais en laisser un Catel là pour qu'elle découvre. Et les autres, je vais les planquer. Et elle les aura à Noël. Voilà. Et je vous dirai comment elle a apprécié ça. Je vous ferai sûrement une photo sur Insta où vous en reparlerez ici. Voilà. Je suis maquillée. Regardez ça. Tout discret quand même. Pas non plus fait un truc de dingue. C'est pour le tournage de cet après-midi. Et je vais peut-être faire mes lèvres aussi. Il faut que je regarde ce que j'ai en rouge à lèvres. Je vous parlais à l'instant là du petit poilu. C'est ce qu'on vient tout juste de se recevoir. Regardez. Le même bonhomme. Voilà, on vient tout juste de découvrir et il n'y a pas longtemps. Et on l'a reçu aujourd'hui. Et il y en a un qui a déjà adopté, donc c'est les cubes sonores à la ferme de Villac. Il est en train de faire des constructions. On est arrivé à l'autobus. Donc là, Catel mange un peu, parce qu'on est parti direct après l'école. Donc elle mange un peu, moi aussi, un peu. Et après, c'est parti. Gâteau. Après, tu vas avoir un gâteau. Ouais. Les assiettes sont de ce côté-là. Oui, chérie. Je suis Emma et aujourd'hui je suis avec le professeur Vabre et on va papoter sur la peau de bébé. Première question. Quels sont les bons produits que l'on peut utiliser pour la bonne hydratation des peaux sèches de bébé?
Dans les bons principes de prise en charge, appliquer une crème émolliente, on a besoin d'appliquer qu'une fois par jour. C'est un problème fréquent également. Pour l'éviter, changer régulièrement, fréquemment. Merci beaucoup pour vos réponses. À votre disposition. Ok, top. On est rentré de Lotus. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle filmait Isa. Je vais découvrir ça pendant le montage du vlog ce soir. Surprise. Donc, vous avez vu, j'ai participé à un petit tournage où j'ai interviewé un dermatopédiatre. Voilà, donc je vous partagerai la vidéo sur ma chaîne. Non, sur ma, pas sur ma chaîne, mais sur, sur Facebook, je pense. Voilà, donc là, on s'est posé sur le canapé. Il est 15h30, je crois. Christian dort. Et nous, on va se reposer un peu. Vous l'avez vu, j'en... Elle a un petit bobo, regardez. Voilà. Ouais, t'as un petit trou. À vouloir rattraper un ballon, elle s'est cognée. Bon, il est 17h15, le petit dort toujours. Il faut que j'aille le réveiller, quoi. Il dort depuis 15h. 15h30, s'il a mis du temps à s'endormir. Mais bon, ça va faire 2h et il y a une dernière fois qu'il dorme ce soir, quoi. Oui, j'ai l'autre qui est là. Donc on va aller le réveiller. Oula, je suis toute blanche. Coucou mon chéri. Comme ça, au passage, vous voyez la couverture, là, sa couette. Et ton couteau, mec. Place ma couille. Ouais. Ça va, mon chéri? Ah, bah, dis donc. Katel, t'es en plein milieu avec tes fesses. Oh, tu te caches? Papa. Voilà, voilà. Mes enfants ont passé même pas une heure dans la maison. Il y en a partout. J'adore, j'adore. Katel découvre une des BD, Le Petit Poilu. Et je pense que ça lui plaît bien. Elle aime bien lire l'histoire. Elle raconte les images. Ça te plaît? Oui. Ils font de la lune. Le mettait là. Il faisait glisser pour réchauffer ses louis. Fin de journée. Comme vous avez pu voir, une grosse journée quand même, mine de rien. Fin de soirée plutôt cool. J'ai vraiment pas filmé tout simplement parce que rien d'intéressant et je prouvais que j'avais déjà pas mal filmé sur la journée, du moins je crois. Et voilà, donc ce soir j'ai bossé sur les derniers shootings que j'ai fait, donc mon dernier shooting bébé nouveau-né. Et j'ai avancé sur celui grossesse que j'ai fait lundi. Voilà, du boulot, mais j'aime ça. Et demain, beaucoup de choses à faire aussi, parce que vendredi, je ne suis pas là, et mes parents arrivent demain soir, parce qu'ils vont me garder les enfants mercredi, vendredi, et pas quelques jours la semaine prochaine. Donc demain, il faut que je range l'étage. Et ça, rien que ça, déjà, j'ai pas envie. Sur ce, je vous laisse, j'ai Katel qui pleure, donc il faut que j'aille la voir. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.